bienvenue. Merci. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Culture à la maison. Aujourd'hui, nous vous amenons sur un endroit tout à fait extraordinaire. Nous sommes ici sur les berges du Chari, au quartier Abena. Et cet endroit où nous sommes est un site des Sao. Les Sao, nous en avons entendu parler à l'école comme des grandes personnes de grande taille. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir plus amplement avec un spécialiste qui sont les Sao, quelle est leur origine, quel est leur territoire, quelle est leur histoire et tout cela. Pour nous parler des Sao de façon plus ample, le docteur Ankara Clison, il est docteur en archéologie, enseignant-chercheur au département d'histoire à la faculté des sciences humaines et sociales de l'université de N'Djamena. Bonjour docteur et bienvenue. Merci monsieur José Wankissam. Nous sommes là donc pour essayer de faire découvrir à nos téléspectateurs l'histoire des Sao, leur origine, comment ils ont été découverts, ce peuple. Le peuple ancien que nous appelons Sao, ce sont des peuples qui ont une origine très controversée parmi les chercheurs. S'il faut se poser la question sur l'origine des Sao, nous pouvons retenir au moins deux hypothèses ou trois. La première hypothèse, c'est que les Sao sont des peuples qui avaient quitté l'Asie mineure, le Proche-Orient, pour venir vers 810 occuper ce pays qui est devenu le leur. La deuxième version, c'est que ce peuple aurait quitté toujours l'Asie à l'époque où il y avait de guerre en Assyrie. Donc les Assyriens se battaient et ce peuple qui ne pouvait pas supporter donc ces batailles avait quitté pour venir ici aux abords du lac Tchad où ils avaient trouvé en quelque sorte un refuge. La troisième version est la suivante. Ces peuples d'origine nilotique aurait servi dans l'Égypte antique où ils étaient utilisés comme, je pourrais dire, des tradis praticiens qui savaient utiliser de pouvoir mystique à l'époque. Donc, ce sont ces peuples-là qui auraient quitté là-bas pour venir dans les environs du lac Tchad où ils ont trouvé un habitat pour vivre. Ben, il y a aussi des versions d'origine légendaire que nous ne considérons pas tellement ici. Mais je vous donne les versions historiques émises par les chercheurs. Est-ce qu'on peut reconnaître à partir d'aujourd'hui quelle était l'étendue de leur territoire? D'abord, l'origine du mot Sao même. Le mot Sao a été utilisé en arabe et ça s'écrit S-O accent circonflexe. Le premier mot, c'était comme ça que c'était écrit. Ça se prononce toujours Sao. Ça se prononce So. Ah, So. Ça se prononce So. Okay. Et c'est un chercheur qui a découvert ça dans un document arabe. Et il a traduit littéralement. Ça signifie peuple d'autrefois. Okay. Peuple d'autrefois. Donc ce sont les anciens. C'est ça l'explication. Les gens ont cherché à connaître davantage ce peuple. On a retrouvé leurs traces dans les environs, aux alentours du lac Tchad, dans trois pays. Les pays les plus proches du lac Tchad sont au nombre de quatre. Le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad.
Mais c'est seulement au Cameroun, au Nigeria et au Tchad qu'on a retrouvé leurs traces. On n'en a pas retrouvé au Niger. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce qu'il faut se dire? Le nombre de sites retrouvés dans ces territoires varie. Au Nigeria, on en a trouvé 140. Au Tchad, on en a trouvé 250. Wow. Et 450 au niveau du... 452 plutôt, au niveau du Cameroun. Mais très récemment, un étudiant tchadien qui était en train d'écrire son mémoire de maîtrise a mené des recherches et a trouvé au niveau du Tchad ici le 251e site au bord du lac Léré, précisément sur le site appelé Fouli. Donc au niveau du Tchad, on a 251 sites Sao, mais pour tous les sites Sao, nous sommes maintenant à 823 sites. Okay. On n'a pas seulement retrouvé les sites Sao aux alentours du lac Tchad et dans la basse vallée du Chari et du Logon. On en a aussi trouvé au lac Fitri, près de Yao, capitale du pays Boulala. C'est ça le terroir des Sao. Ok. Alors maintenant nous sommes ici sur cet espace qui est en même temps l'espace réservé pour la construction de la basilique de l'église catholique. Alors vous nous dites que aussi ici c'est un des sites que nous allons faire découvrir aujourd'hui à nos téléspectateurs. Oui, ici nous sommes sur un présumé site Sao parce que les sites qui ont été dénombrés avant ont été pas étudiés dans leur totalité, mais étudiés à partir de certains sites et les autres ont été déclarés par des chercheurs des sites Sao. Celui-ci n'a pas encore été étudié, donc nous pouvons le déclarer présumé site Sao. Okay. Présumé site Sao. Nous sommes au quartier Abena, dans le 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. Mm-hmm. Bon, ce site est un site qui présente des caractéristiques des sites Sao. Si on se réfère aux travaux effectués par Gozelin, par Leboeuf, surtout Leboeuf qui est très connu. C'est des archéologues. Ce sont des archéologues. Des archéologues. Tout le monde n'est pas archéologue. Mais je dirais, ce sont des gens qui, arrivés ici, ont commencé par s'intéresser à ce travail. Le tout premier, par exemple, qui a mené des recherches en 1926, dans la basse vallée du Logone, précisément dans le site appelé Logone-Birni, n'est pas un archéologue. Ce n'est pas un archéologue, c'est plutôt un explorateur français qui s'appelle Théodore Monod. Mm. Malgré qu'il ne soit pas un archéologue, c'est lui le tout premier à faire des sondages qui lui ont permis de découvrir au Logone-Birni des jarres attribuées au Sao. Et c'est lui qui s'est rendu compte que les sites du genre de ce qu'il a sondé au Logone-Birni méritent d'être étudiés. Alors il a jeté les bases de l'étude des sites Sao. D'autres ont suivi ces traces pour qu'aujourd'hui nous puissions arriver à là où nous sommes. Par où nous allons commencer? Bon, alors nous pouvons nous rendre là où ceux qui étaient en train de creuser des trous pour la construction du mur de la basilique ont découvert pour la première fois des jarres qui ont attiré l'attention du public, puis des archéologues après, et qui a justifié notre présence ici. Est-ce qu'on peut aller y voir? Allons-y. Merci, allons-y. Attention, c'est sale ici. Oui. Voilà. Donc, c'est ici
que l'un des manœuvres, il s'appelle Pierre, un gars de la Tangelée, qui était en train de creuser un trou ici pour que les gens puissent monter le poteau du mur de la basilique. Et ce gars a vu en profondeur, à un mètre du niveau du sol, il a vu une jarre. Une jarre, et il a arrêté de creuser le trou. Il a posé la question à l'un de ses cousins qui était en train de creuser un autre trou par derrière là-bas. Il lui a demandé qu'il a trouvé une jarre. Et son frère lui a dit de ne pas casser. Pourquoi? Parce que dans leur tradition, dans leur village, on leur a fait comprendre que s'ils trouvent un canari enterré, il ne faut pas qu'ils cassent, il ne faut pas qu'ils touchent. Leurs grands-parents, leurs parents leur ont dit ça au niveau du village. C'est comme ça que quand il a vu cette jarre-là, il a demandé à son grand frère. Son grand frère lui a dit de ne pas casser. Il était venu voir parce que chez eux, la jarre peut être enterrée par un guérisseur, un tradit praticien, un chef de terre, quelqu'un qui a fait des sacrifices. Donc on ne sait pas pourquoi, à quoi était destiné ce sacrifice. Ça peut porter malheur contre celui qui l'aura cassé. Par prudence, il fallait laisser et peut-être faire venir quelqu'un d'autre qui peut voir et donner des significations. Comme ça, on vous a appelé? Oui, oui, justement. Mais on ne m'a pas appelé encore. Ah. Mais la découverte de cette jarre a attiré la curiosité du public. Donc, tous ceux qui creusaient ici étaient venus voir. Puis, les passants aussi étaient venus voir. Les médias étaient venus voir. Tout le monde était venu pendant que moi, je n'étais pas là. 4 jours plus tard, quand les gens en étaient même fatigués déjà, quelqu'un m'a appelé depuis Ngeli pour me dire que voilà, telle chose s'est passée dans la basilique, est-ce que tu es au courant? C'est comme ça que moi j'étais venu voir et je m'étais rendu compte que bon, c'est une jarre qui est enterrée, donc ça relève du domaine de l'archéologue. Et maintenant cette jarre-là est sous terre-là encore? Ben, moi j'ai fait venir des étudiants, j'ai fait venir des collègues, nous avons essayé d'étudier, il n'y a pas ici, il y a eu une autre jarre devant, au troisième poteau là-bas, puis une fosse un peu plus loin, il y a quelques 10 mètres là-bas, et une autre fosse encore, là où il y a le dernier pied de Nîmes que vous voyez là-bas. Donc, j'étais venu avec des étudiants, nous avons étudié tous ces sites-là, on a fait des prélèvements, on a aussi découvert des urnes funéraires. Hein. Donc, on a prélevé tout ça pour aller garder au CNAR, mais les autres vestiges de moindre dimension, on a mis dans des caisses qu'on a gardées au laboratoire d'archéologie. Au département d'histoire. Okay. Pour des études éventuelles, bien sûr. Et maintenant, après, ici, où est-ce qu'on va aller? Bon, moi, je peux vous montrer là où on a découvert les autres jarres, les autres fosses. Puis, je peux vous montrer de l'autre côté, là-bas. Ça, c'est du côté de la construction du mur de la basilique. Mais il y a aussi une destruction massive de vestiges archéologiques par ceux qui exploitent la carrière là-bas. C'est dommage. Mais on ira et vous allez voir, vous allez constater vous-même ce qui est fait là-bas. Ok, allons-y. La deuxième fosse, le deuxième trou où on a découvert la deuxième jarre. Ouais. Un peu devant là-bas, je vais vous montrer aussi, on a découvert 2 fosses. Okay. Les fosses sont des endroits où les populations anciennes, même maintenant on parle aussi des tas d'ordures, quoi. On parle des tas d'ordures de nos jours. Mais ce sont des trous, les gens ont prélevé de la terre pour construire. Et le reste, le trou, on dépose des déchets ménagers. Donc c'est ça ce que nous on appelle fosse dans notre jargon en archéologie. Okay, okay. Donc je peux aller vous montrer là où on a découvert des fosses. Tout à fait. Allons-y. Macha, vous pouvez parler. Oui. Voilà, c'est ici qu'on a retrouvé donc la première fosse sur cette ligne. Sur cette ligne où on a construit le mur de la basilique, c'est ici qu'on a retrouvé la première fosse. Dans cette fosse-là, on a retrouvé donc des terres cuites, des tessons de poterie, des ossements de poissons, des arêtes de poissons. Ce sont là les catégories de vestiges qu'on a retrouvés dans cette fosse.
Allons un peu plus loin. Là, on a trouvé, on a mis au jour une autre fosse où on a découvert beaucoup d'autres choses. Allons-y, je vais vous montrer. Mais comme il n'y a pas des endroits de repérage, oui, comment vous allez pouvoir retrouver cela plus tard, si vous en avez encore besoin? Est-ce que vous avez fait des repérages, comment on appelle, GPS, je ne sais pas moi. Non, nous avons pris des coordonnées au GPS. On a déjà des coordonnées. Et on a aussi fait de relevés. On a fait des relevés. Donc, de ce côté, le problème ne se pose pas. Okay. Lorsque nous avons fait des relevés, on a pris des points GPS et on a extrait des vestiges qu'on a prélevés. Il ne se pose pas de problème. Maintenant, nous avons même donné l'ordre à ceux qui construisaient ce mur-là de continuer leur travail. Okay. On leur a demandé de suspendre le travail juste pour 2 semaines. Mm-hmm. C'est ce qui a été fait. Donc maintenant, il ne se pose pas un seul problème de ce côté. Okay. Bon. Voyez, ici, nous avons fait un sondage. C'est ici la fosse la plus importante, sur cette ligne-là. Donc, nous avons fait un sondage de 2 mètres sur 1, de 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Quand on a constaté qu'un ossement était resté d'un côté, on a donc posé un autre carroyage. C'est comme ça que vous avez vu ici, mm-hmm, le prolongement du trou là. Un peu élargi. Voilà. Nous avons fait ceci parce que nous voulons exhumer exactement l'ossement qu'on a vu. Au départ, nous on pensait que c'était une tombe. Mais quand on a continué le sondage, on s'est rendu compte que c'est plutôt une fosse. Donc les ossements qu'on a mis au jour ici, ce sont des os des animaux. Des os des animaux, mais nous ne pouvons pas savoir de quel animal s'agit-il. Mais ça doit être un gros animal. Ensuite, nous avons vu beaucoup d'arêtes de poissons et de gros poissons. Ça, c'est nous avons compris à travers les ossements. Il y a des arêtes de poissons, des ossements d'animaux. Il y a également une scorie de fer. Ce qui nous a surpris, une seule scorie de fer. On a sondé, mais on n'a pas vu d'autres ossements, d'autres scories, ni des témoins de l'activité métallurgique. On a vu juste une scorie de fer. On a vu également de la cendre, mais que nous n'avons pas prélevé. Hein. On a seulement signalé dans le relevé. On a vu également de charbon de bois. Du charbon de bois. Mais à quoi cela a servi, ça nous ne pouvons pas le savoir. Okay. Voilà ce qu'on a trouvé ici. Alors, vous venez de nous dire qu'il y a d'autres endroits, oui, qui sont en train d'être détruits. Est-ce qu'on, oui, peut aller aussi les voir? Exactement. Je peux aller vous montrer. Okay. Mais en allant vers là-bas, je voudrais aussi vous montrer. Vous voyez, les sites Sao sont des buttes. Les buttes sont des endroits élevés. Ici, nous sommes sur une butte. Ça, c'est l'une des caractéristiques des sites Sao. Arrêtons-nous ici. Vous allez voir, sur les buttes Sao, il y a toujours des amoncellements de tessons de poterie. Les tessons de poterie, on en a ici, partout. On en a, voyez, ici. Les tessons de poterie, il y en a plein ici. Il y en a plein. Donc, la présence importante des tessons de poterie, voyez, vous pouvez voir ici, vous pouvez voir là, des arêtes de poissons. Ça, c'est un ossement d'animal, voyez, il y en a beaucoup. Donc, c'est tout ça qui montre qu'il est probable que ce site soit un site Sao, parce que nous, on retrouve ici les caractéristiques des sites Sao mentionnés par Jean-Paul Leboeuf. Okay. Les sites Sao sont des buttes. Les sites Sao sont caractérisés par la présence massive des tessons de poterie. Mm-hmm. Ces deux caractéristiques, on en a ici. Voilà. Ensuite, c'est probable donc. C'est probable. La troisième caractéristique, c'est les inhumations dans des jarres. Les inhumations dans des jarres. Nous avons retrouvé ici des urnes funéraires contenant des ossements humains. Nous avons prélevé ça et ça, nous avons la certitude. Je sais que ce n'est pas encore étudié, mais nous avons reconnu qu'il s'agit ici
des inhumations dans des urnes funéraires. Je vais vous montrer l'endroit où nous avons trouvé des urnes funéraires avec des ossements humains. Ceux qui ont travaillé ici sur la carrière ont cassé la jarre et ils ont laissé le contenu. Nous avons reconnu les différentes parties du corps humain. Et ailleurs, il y a aussi des inhumations en dehors des jarres. En dehors des jarres. Nous allons nous rendre sur le site là-bas. Allons-y. Je vais vous montrer ces différentes parties. Allons-y. Venez que je vous montre le coquillage. Le coquillage, ça fait partie des... Les coquilles font partie de l'alimentation des saouls. Parce que généralement, là où ils vivent, comme c'est toujours au bord de l'eau, et les coquilles sont des êtres qui vivent dans l'eau. Ici, on a ici partout des coquillages. Vous voyez ça? Des coquillages. Donc, ça montre que les saouls ont consommé des mollusques. On en a partout ici. Ça, c'est ça qui témoigne que ça, c'est le prolongement du site Sao probable. Okay. C'est pour ça que nous disons que c'est un présumé site Sao. Après les études des vestiges que nous avons collectés pour garder une partie au CNAR et l'autre partie au laboratoire d'archéologie. Après avoir étudié ces vestiges, nous pouvons affirmer ou infirmer que ici il s'agit des sites Sao ou non. Très bien. À vous entendre parler, ces trous ne sont pas des recherches archéologiques. Ici, nous sommes sur une carrière. Uh-huh. Une carrière. Donc, le mode de destruction des vestiges du site ici, ça diffère de là-bas. Ici, les gens prélèvent de la terre pour faire de briques ou bien de remblai pour utiliser dans leur domicile. Donc, l'utilisation, la destruction ici diffère de là-bas. Okay. Mais ce qui importe, c'est que là-bas comme ici, les gens détruisent toujours le site. Vraiment. Les gens qui prélèvent de la terre pour faire de briques ont vraiment détruit ce site-là. Venez voir ce qui est détruit. Commençons ici. Ici, c'est quoi? C'est un os, un crâne? Ça, vous voyez, c'est le crâne d'un enfant. C'est le crâne d'un enfant, mais vous pouvez convenir avec moi que ce n'est pas une inhumation dans une jarre. C'est une inhumation ordinaire, donc la personne serait placée à même le sol, dans un trou qu'on a fermé. Donc vous voyez le crâne. Quand j'étais venu avant, le crâne là était resté presque entier. Mais la dernière pluie, là, vous voyez, il y a eu l'écoulement d'eau. Donc c'est ça qui a fait tomber ça là. Les morceaux, les fragments là. Avant c'était, ça fait environ 2 mois, juste avant, je crois que ça doit être, j'étais venu ici en mars je crois, en mars, le crâne était presque entièrement en place. On reconnaît même la position des oreilles, des nez, des bouches, tout ça là, on reconnaissait facilement. Maintenant, quelques fragments sont tombés, mais on peut encore reconnaître que c'est un crâne, hein, c'est un crâne. Mais si on ne fait pas attention, ça va disparaître d'ici peu. Mais justement, avec la saison de pluie qui s'approche, c'est sûr que tout va partir. Si on revient prochainement, on ne peut pas retrouver. Bon, tournons-nous de l'autre côté ici. Vous voyez, ça c'est la trace d'une jarre qui était tombée. Mais les deux autres sont encore restés là-bas. Regardez, cette jarre est là-bas. C'est sûr que ça va tomber à la fin de la saison de pluie. Si on revient, je pense qu'on ne va pas retrouver ça. Mais vous pouvez comprendre que il y a des traces de pioche. Les gens ont pioché. Avant, c'était de la terre ferme. Mais les gens ont pioché. Regardez les traces de pioche. Donc, c'est l'homme qui a prélevé de la terre ici pour fabriquer des briques
Donc, en prélevant de la terre pour fabriquer des briques, on détruit les vestiges. Vous voyez, le crâne, ça va partir. Oui. Une jarre ici est déjà partie. Bientôt, les deux autres jarres qui sont là vont partir. Mais tournons-nous de l'autre côté, derrière là. Vous voyez, de ce côté. Vous avez certainement vu, ici, nous avons un tesson de poterie, des arêtes de poissons. Regardez. Ça doit être des poissons énormes, ça. Ça doit, mais justement, ce sont des arêtes de poissons. On reconnaît ça facilement. Et vous avez ici, regardez, ça c'est de la cendre. De la cendre. Mais nous disons que nous sommes en face d'une fosse. Ça, du point de vue archéologique, mais c'est important. C'est une mine d'or pour nous. Ça, c'est une mine d'or pour nous. On aurait aimé conserver ça. Malheureusement, on détruit. C'est en train de partir. On détruit. Et les fosses, on en a beaucoup ici. Beaucoup. Je vais vous montrer le reste après. On en a beaucoup ici et c'est en train de partir. Donc quand on voit, on essaie de, à travers ça, on peut facilement comprendre le mode de vie des hommes d'autrefois, comme le mot Sao même nous l'a dit. Malheureusement, c'est en train de partir. Ça nous donne beaucoup d'informations. Et plus on a d'informations, plus on connaît le mode de vie des populations qui avaient vécu ici. Vraiment. Voilà. Ici, aussi. Juste à mes pieds là, attention. Oui, à mes pieds là. Dégringoler. Oui. Vous avez une jarre. C'est cassé, hein, vous voyez. Oui. La, presque la moitié est partie. Le reste est en bas là. Voilà, justement, on voit. Et regardez de l'autre côté. Regardez. Ça, c'est aussi une fosse. D'ici, vous pouvez voir oui. des arêtes de poissons, des ossements d'animaux, des tessons de poterie. Regardez là-bas. Fragments de tessons de poterie. De ça, hein, oui, c'est... voilà. Donc, tout ça, nous, on avait dessiné déjà. Wow. On avait dessiné. Donc, c'est ça le relevé archéologique qu'on avait fait. Donc, ça nous renseigne. Les gens qui prélèvent de la terre ici ne se soucient pas de ces vestiges-là. Ce n'est pas une fouille archéologique. C'est pas leur problème. Gens qui veulent simplement, leur faire... souci, c'est avoir de la terre pour faire de briques. C'est ça seulement leur souci. Okay. Donc, ils ont prélevé et en prélevant de la terre, ils ont détruit donc des vestiges. Vous voyez ici, on a plein de vestiges ici. Okay. Voilà. Et des manguiers, des palmiers par-ci, par-là. Est-ce que on peut pas essayer de dire que ce sont les restes des choses, de ces habitats-là, ou bien c'est réellement des Sao? Merci. Dans un passé relativement récent, datant des années 79, cette partie n'était pas encore habitée par les hommes. C'était inhabité. Même si les gens exploitaient cette partie, ce n'était vraiment pas habité. Les gens étaient venus après les événements de 79 pour habiter ici. Et ils ont été déguerpis en 1994. Oui. Et ce sont ces gens-là qui ont planté ces pieds de Nîmes, ces manguiers que vous voyez là. Ils ont été déguerpis à partir d'ici en 1994. Bon. Ceux-là ont laissé des vestiges, des témoins de leur vie qui sont relativement récents. Quand vous voyez des objets comme des bouteilles en verre, en plastique, comme ce que vous voyez là-bas. Même ça, les morceaux de briques qu'on voit là. Oui, les morceaux de briques qu'on voit presque en surface. Ça, c'est récent. Ça, nous, en archéologie, nous n'appelons pas des vestiges. Mais les vestiges sont tout ce qui a été utilisé par les hommes d'autrefois et qui sont supposés dater de longtemps. Si on se réfère à Jean-Paul Leboeuf, de pareil site-là, date du 16e siècle de notre ère. Et la profondeur... La profondeur, ça va jusqu'à 5 mètres. Ah, donc ça va jusqu'à 5 mètres. Ça peut aussi expliquer... Oui, justement, je peux vous montrer les vestiges que nous trouverons devant nous là-bas, qui sont en profondeur jusqu'à 5 mètres du niveau du sol actuel. Jusqu'à 5 mètres. Vous ne pouvez pas dire que ces vestiges sont récents. Ils sont totalement différents des témoins de l'activité humaine actuelle okay. ou contemporaine. Comme nous venons de le dire, voyez par exemple ces plastiques qui sont là.
Ça, ça date du contemporain, ça. Ça, c'est très récent. Mais vous regardez légèrement à droite. Ça, ce sont des fosses. Tout à fait. Ce sont des fosses contenant... Il y a même des couches là. Des couches, c'est très visible. Uh-huh. Que nous, on appelle des strates aussi. C'est très, très visible. Donc, quand vous regardez avec l'œil d'un archéologue, vous allez constater que la fosse à droite, là, les éléments contenus dans la fosse à droite diffèrent totalement des éléments qui sont là à gauche et qui sont presque en surface là. Ce qui est presque en surface là, c'est contemporain. Mais le reste à droite là, même s'il y a des parties qui sont proches de la surface, c'est parce que les gens ont prélevé de la terre. Ouais. Mais les éléments qui sont contenus là sont très anciens. Ce n'est pas encore daté, mais c'est très ancien. Ça fait plusieurs siècles. Tout à fait. Oui. Avançons pour que je vous montre ce qu'il y a ici. Je vous montre ici les vestiges mis au jour par ceux qui ont prélevé de la terre ici. Vous pouvez observer ici une autre fosse. Regardez. Ouais. Le contenu de la fosse. Voyez plus haut. Il y a un ossement d'un animal là. Ouais. En haut là. Ossement d'un animal. Ici, tessons de poterie. Là, tessons de poterie. Ici aussi, tessons de poterie. En dessous ici, vous avez ici par exemple le charbon de bois. Ici, c'est le charbon de bois. Ici, c'est un tesson de poterie. Là, c'est un ossement. C'est comme de poisson. Arête de poisson. Arête de poisson ici. Arête de poisson là. Là aussi, vous avez encore de tesson de poterie. Là, charbon de bois. Donc, ça veut dire que toute cette partie qui paraît plus sombre que le reste de la partie là, c'est une fosse. À côté là, vous avez une jarre. Entière qui est encore là. Entière, bien sûr. Bon, c'est vrai, c'est fendillé. C'est fendillé. Mais ce n'est pas cassé. Puis la forme et puis les ornements qui sont là au-dessus, est-ce que ça ressemble à nos jarres actuelles? Pas du tout. Si vous voyez par exemple les jarres des potières Kotoko de Gaoui, il n'y a rien de comparable, ça ne se ressemble pas. Voyez la forme. Mais rappelez-vous aussi ce que vous avez peut-être vu au musée national. Le musée national, les urnes funéraires. C'est comparable, sauf que le fond ici n'est pas allongé. Les urnes funéraires ont leur fond allongé. Et en dessous, il y a un trou. Mais ici, le fond n'est pas allongé, mais le décor et la forme, c'est typique au jarre Sao. Bon, si ce n'est pas le type de jarre funéraire, à quoi ça servirait? Est-ce qu'on peut imaginer un peu? Vous savez, les jarres ont plusieurs fonctions. Il y a des urnes funéraires. Celle-ci ne peut pas être une urne funéraire, mais ça peut servir soit au transport, soit à la conservation de l'eau ou des denrées alimentaires. Si c'est une urne funéraire, on peut la reconnaître par le fond allongé et certainement le trou serait trouvé. Le fond serait trouvé plutôt. Et si c'est une urne, une jarre cerclée comme on le dit, ça sera couplé. La même jarre se retrouvera en haut, mais renversée. Ah. Renversée. C'est-à-dire, le même bord là, uh-huh, va se retrouver renversé au-dessus de ça. Donc, le fond de la deuxième jarre va être tourné vers le haut. Okay. Et le bord va toucher plutôt celle-ci. Or, ici, ce n'est pas couplé. La jarre n'est pas couplée. Ça veut dire que cette jarre ne peut pas être qualifiée d'urne funéraire, mais ça peut servir soit au transport des denrées alimentaires, soit à la conservation de ces denrées-là. On peut puiser de l'eau avec ça, avec cette jarre. On peut aussi garder des graines pour la consommation, tout comme ça peut servir à la cuisson des aliments. Ça peut servir à la cuisson des aliments, mais elle est trop grosse
pour dire que ça peut servir au sacrifice, au rituel, tout ça. Ça, c'est aussi une autre fonction qu'on peut attribuer au jarre. Mais celle-ci ne semble pas servir, avoir cette fonction. Okay. Voilà un peu ça. Mais un autre élément que je viens de constater là, au-dessus, vous avez vu, ça c'est un os d'un animal. Là. Ça c'est un os d'un animal. Avant, on n'a pas vu ça. C'est un os d'un animal. Ça veut dire que dans cette fosse-là, il y a beaucoup d'autres choses. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, les gens ont prélevé cette terre-là pour pour fabriquer des briques. Et en prélevant de la terre pour fabriquer des briques, ils détruisent l'histoire des Tchadiens. Derrière, là, vous oui, avez quand j'étais venu ici en mars, cette jarre-là était restée entière, mais de ce côté. Cette jarre-là était restée entière. Voyez. Elle est brisée. Voyez le fond même. Quand j'étais venu, voyez. Wow. Mais ici, regardez. Voyez le fond qui est troué. Je vous ai parlé du fond qui est troué. Donc ça peut servir. Ça peut être une urne funéraire. Et cet os qui est là. Bon, je ne sais pas si ça provient de cette jarre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ça, voyez ce qui est blanc là. Ce qui est blanc, ça peut, voyez, regardez ça. Ça, c'est le contenu de cette jarre-là. Donc, il est probable que cette jarre-là soit une urne funéraire. De par sa morphologie et le contenu, regardez ça. Oui, ça fait si un ossement. Oui, si on casse, on peut se rendre compte que ce sont des ossements humains. C'est peut-être le fémur, on n'en sait rien. Voyez le décor. On peut essayer de comparer. Il y a des différences avec ce que vous avez vu là-bas. Tout à fait. Il y a des différences de décor. Mais la morphologie, ça ne nous trompe pas. Le fond est allongé avec un trou. Ça, c'est vraiment la caractéristique d'une jarre funéraire. On en a retrouvé ici. Avant, quand j'étais venu en mars, j'ai retrouvé, c'était ici, en bonne place. Et moi, je ne voudrais pas toucher. Malheureusement, la pluie, la dernière pluie là, a fait tomber. Et voilà, c'est tombé, c'est cassé. Plusieurs morceaux sont tombés là-bas. On ne peut pas. Et donc, quand un vestige est détruit comme ça, c'est l'histoire du Tchad qui est détruite. Mais on ne peut pas reconstituer. On ne peut pas. C'est détruit. L'histoire du pays est détruite. On ne peut rien faire. Si c'est la dernière découverte ou bien il y en a encore quelque part sur ce même site? Il y a bien d'autres sites encore. Il y a bien d'autres sites. Je peux vous montrer des vestiges là-bas à partir d'ici, mais surtout de l'autre côté là-bas, il y a une jarre importante qui est restée sur la paroi et que je peux vous montrer. Ok. D'ici, c'est assez loin. Vous n'allez pas voir quelque chose. Il y a la jarre qui est là-bas. Vous n'allez pas vraiment voir clairement. C'est ça. Mais moi, je vois. D'ici, je vois la jarre qui est là-bas. Je peux vous montrer. La jarre de là-bas est plus petite que celle d'ici, oui, sur la paroi là-bas. C'est ça. Il y a une jarre qui est là-bas. Mais les briques cuites, les terres cuites qui sont au-dessus là, sont contemporaines. Il ne faut pas tenir compte. C'est récent. Oui. C'est récent, ne tenez pas compte. Donc ça, ce n'est pas une couche archéologique. Là-bas, à gauche, c'est une jarre qui est là. À droite, c'est une fosse aussi qui est là. C'est ça. Mais là où vous pouvez voir de plus près, la jarre, c'est un peu devant. Est-ce que je peux aller vous montrer? On y va. Ici, par exemple. Donc là, vous avez vu là. Ça, ce sont des tessons de poterie. Oui. Qui datent de longtemps. Vous voyez? La couleur de la terre me le prouve. Oui. Ce sont des tessons de poterie. Donc, on les trouve dans des couches archéologiques. Vous voyez comment les gens ont prélevé de la terre. Franchement. Donc, on peut même dire que là où on est en train de marcher, là, tout était comme ça. Oui, justement, c'était des vestiges. C'était des vestiges. Et les gens ont détruit. Les gens ont détruit en prélevant de la terre. Pour faire des briques, vous voyez les fours qui sont là, là. C'est pour faire des briques. Vous voyez là-bas. Il y a des fosses. Oui. Il y a des fosses. Voilà. Ici, je vous avais parlé de la caractéristique d'une urne funéraire. Ouais. Regardez ici, voyez le fond qui est allongé. Ouais, ça c'est très visible. Très visible. Ça, voyez le fond qui est allongé. Et puis en dessous, regardez ce qu'il y a là.
J'ai parlé du fond qui est allongé. Ouais. Regardez comment c'est allongé. C'est ça. Ça diffère du fond des jarres ordinaires. Mmh. Et quand vous voyez ça, il est probable qu'il y ait ici un trou. Si vous creusez un peu là, vous allez constater qu'il y a un trou comme ce que je vous avais montré là-bas. Ouais, ouais, ouais. Et donc, il y a d'autres signes qui peuvent vous amener à supposer que vous êtes en face d'une jarre funéraire. Vous voyez à l'intérieur tout ce qui est blanc là, ce sont des ossements. Et c'est probablement des ossements humains et non animaux. Vraiment. On ne peut pas enterrer les animaux dans les jarres, oui, ça c'est... Donc, ce qu'il y a en blanc que vous voyez là, regardez. Et ici, regardez, ça, tout cela. Plus visible encore. Oui, oui, oui. Donc, le contenu serait probablement des restes humains. Donc, ça montre que cette jarre-là, il est probable que ça soit une jarre cercueil. Parce que nous n'avons pas vérifié le contenu encore. C'est ça. Nous avons simplement des éléments, des indices qui nous permettent de dire que c'est peut-être une jarre funéraire. Vraiment. Mais une partie est cassée. Alors, ce qui peut nous amener à nous poser des questions, vous voyez, ce qu'il y a juste au-dessus là, mm-hmm. ce sont des morceaux de briques et c'est contemporain. C'est ça. C'est ça, c'est voir, parce que c'est avec ce qui est à la surface, là, les gens ont prélevé. Uh-huh. Donc, ça veut dire que si celle-ci est une urne funéraire, ça veut dire que l'autre jarre qui lui est couplée a été détruite. Aïe. Et on voit encore le ramassage récent de terre. Ça continue. Le ramassage continue. Donc, vous voyez ici, nous sommes sur une couche archéologique. Juste au-dessus, c'est une couche contemporaine. C'est une couche contemporaine. Et en dessous, c'est une couche stérile. C'est une couche stérile. Docteur Clison, nous venons donc de voir là comment est-ce que ce présumé site-là est en train d'être détruit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a d'autres sites aussi ailleurs, comme celui-là? Et quels sont les facteurs de destruction de ces sites-là? Il y a bien d'autres sites Sao, Danjamena et ses alentours qui sont en péril. Nous pouvons citer pêle-mêle. Ce site, même si ce n'est pas encore reconnu comme un site Sao, il est quand même un présumé site Sao. Mm-hmm. Nous pouvons citer le cas du site Sao de Klesum, le site Sao de Jarmaya, les sites Sao de Jarmaya, le site Sao de Ourla, le site Sao de Gawi, le site Sao de Digo. Vous avez certainement entendu parler de Dobar Saoje. Dobar Saoje, c'est comme ça que les populations locales le disent. Il y a également le site Sao d'Ambata, et le site Sao de Toukra, le site Sao de Rasfil. Tous ces sites-là sont en péril, monsieur Jésus. Tous ces sites sont en péril. Alors, quels sont les facteurs de leur dégradation? D'abord, commençons par là où nous sommes. La destruction des sites Sao par la construction des immeubles. Quand vous vous mettez à Ourla, c'est la sortie nord de Njamena. Mm-hmm. Vous vous mettez à Ourla, c'est juste à côté de la Bétanie. Vous connaissez la Bétanie? Oui, oui, oui. Voilà. Si vous connaissez la Bétanie, juste avant la Bétanie, vous avez une butte à votre droite et à votre gauche. À votre droite, c'est la plus grande butte. À votre gauche, elle est un peu petite, mais elle a été totalement rasée il y a environ 5 ans. Totalement rasée par un bulldozer pour construire une villa. Le côté droit est resté, mais là aussi c'est en péril. Mais comme nous sommes dans le cadre de la construction des immeubles, parlons d'abord de ça. Mm-hmm. Le côté gauche, donc à l'ouest de la voie bitumée, c'est totalement détruit. Détruit, rasé par un bulldozer. Vous trouverez à l'endroit là, une villa. Maintenant, revenons ici sur le site où nous sommes. La construction du mur
de la basilique a permis de constater que c'est un site archéologique qui est en train d'être détruit. Ça, c'est du côté des immeubles. On ne peut pas tout citer, il y en a beaucoup. L'hôtel Hilton, c'est sur le site Sao. Mais on ne peut pas... Personne ne se soucie de ces sites-là, de la destruction de ces sites. Donc, nous, on n'en tient pas compte. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu aussi de votre responsabilité, vous, les historiens, de n'avoir pas mis le garde-fou pour qu'on ne puisse pas exploiter ces espaces? L'archéologue est un technicien. Il peut faire des propositions aux autorités compétentes. En cas de quelque chose, si tout le monde respecte les lois, comme la loi de 1460, de 2 novembre 1960, bon, tant mieux. Les gens vont respecter. Quand ils découvrent des sites pareils, ils vont nous faire appel. Mais si personne ne respecte ces lois et qu'on ne nous fait pas appel, nous ne pouvons pas aller leur demander d'arrêter le travail. Okay. Il n'est pas de notre devoir de le faire. Nous ne sommes pas autorisés à le faire. D'accord. Nous ne sommes pas... Il y a des lois qui existent. Alors, c'est un des facteurs que nous venons de voir. Est-ce qu'il y a d'autres? Les autres, il y en a beaucoup. Allons au second facteur. C'est la carrière. C'est la carrière. Qu'est-ce que j'entends par carrière? La carrière, c'est là où on fait le prélèvement de terre pour diverses raisons. La première raison, c'est pour faire des briques, comme là où nous sommes. Vous avez vu des fours. C'est pour faire des briques. Et la deuxième raison, on prélève de la terre noire. Vous avez vu là, ce que j'appelle fosse là. Mm-hmm. La terre qui est contenue dans les fosses là, c'est noir. Donc, c'est riche. C'est bon pour les végétaux. Donc, les gens prélèvent cette terre là pour faire du jardinage. Donc, on peut supposer que cette crevasse là, tout ça, c'était... La terre là était ferme et puis les gens ont creusé. Les gens ont prélevé pour différentes raisons. Les uns en font de briques, les autres prélèvent aussi de remblais pour les différents travaux dans leur domicile. Une autre raison, les gens détruisent de quelle manière? Il y a des gens qui viennent pour une raison ou une autre. Ils construisent ce qu'on appelle Boulama ici en Djamena. Ce sont donc des chefs de terre, des chefs de carré plutôt, qui attribuent les terres qui relèvent de leur ressort à d'autres personnes. Peut donc se poser la question, quel est son futur, le devenir de ce site, hein, puisque le site a été attribué à l'Église catholique pour la construction de la basilique. Est-ce que ça va garder son statut de site archéologique, de site touristique, ou alors l'urbanisation va avaler aussi ça? Ce site, malgré qu'il ne soit pas encore déclaré site Sao, une chose est sûre, ça contient des vestiges archéologiques qui datent de longtemps. Ce n'est pas contemporain. Bon, mais comme l'État a attribué cette partie de terre à une personne morale, qui est l'Église catholique, pour la construction de la basilique, les archéologues n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit à ce sujet, sauf s'ils sont autorisés. Mais comme nous sommes avertis que c'est un site archéologique, ça nous n'avons pas peur de le dire, on a peur de dire que c'est un site Sao, mais on n'a pas peur de dire que c'est un site archéologique puisque les vestiges sont là, ça confirme déjà. Mais tout de même, vous pouvez quand même faire une sorte de plaidoyer. Oui, justement, bien sûr, on en arrive. Si jamais l'Église catholique veut exploiter ce site-là, bon, il est probable que les vestiges soient détruits. Nous avons déjà localisé la partie susceptible de contenir des vestiges. Mm-hmm. Nous avons déjà localisé et le rapport sera déposé d'ici peu au ministère de l'Enseignement supérieur. Mm-hmm. Donc, une copie sera remise à l'Église catholique. Bon, si jamais on veut entreprendre de construction et que la position du site archéologique sera touchée par le chantier, nous souhaiterions que les autorités demandent
à l'Église catholique de nous faire appel pour une étude préventive. Nous ne pouvons pas les empêcher de construire. C'est leur propriété, ils peuvent construire. Mais nous souhaiterions qu'ils nous fassent appel pour qu'on puisse mener une étude archéologique et conserver des documents avant la destruction. Tout à fait. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'arrête le numéro de Culture à la Maison d'aujourd'hui que nous avons réalisé sous cette chaleur ardente ici au site Sao, au présumé site Sao, qui se trouve sur la berge droite du fleuve Chari. Nous avons réalisé cela grâce à l'indispensable collaboration, à la visite guidée donc de Dr Nankara Clison. Il est docteur en archéologie, enseignant-chercheur au département d'histoire à la faculté des sciences humaines et sociales à l'université de N'Djamena. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro, toujours à la découverte des merveilles du Tchad.